Bonjour mes chers élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien, ainsi vos proches. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 20, le mois c'est mai, l'année 2020. C'est la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vous propose un soutien qui contient des exercices concernant l'unité 26. D'accord? Alors, suivez avec moi mes élèves et prenez les cahiers d'exercices, page 52, à l'aide de vos parents. D'accord? Et suivez avec moi. Alors, regardez mes élèves, l'exercice 3, exercice 3, page 52. D'accord? Alors, je lis. Coloriez en bleu les étiquettes où il y a et avec accent grave. Et colorier en rouge les étiquettes où il y a E avec E accent circonflexe. Alors regardez ici mes élèves, il y a ici des mots, d'accord, contiennent les deux sons, E avec E accent grave et E avec E accent circonflexe. À vous de chercher les mots qui contiennent E accent grave et vous les coloriez en bleu, d'accord? Et vous cherchez encore les mots qui contiennent E avec E accent circonflexe, d'accord? Et vous les coloriez en rouge, d'accord? C'est très facile, mes élèves. Alors maintenant, prenez la page 53, exercice 4. D'accord? La page 53, exercice 4. Je lis la question. Relier ce qui va ensemble pour former des mots. Alors, regardez ici mes élèves, il y a ici des syllabes, n'est-ce pas? Alors, à vous de relier ces syllabes avec les mots correspondants. Alors, regardez, par exemple, faux. Je lis d'abord les syllabes, p, t, mais, elle, faux. Deuxième ligne, te, re, ré, veut. Alors regardez ici, faux. Alors, faux, ré. D'accord? Alors, je relis le mot faux avec ré pour construire un mot. D'accord? Alors, vous mettez comme cet exemple. D'accord? Regardez l'exemple forêt et vous reliez comme l'exemple, d'accord? Très bien. Alors suivez avec moi mes élèves. Maintenant, je vous propose une vidéo qui montre les nombres de 0 jusqu'à 10 en toutes lettres. À vous d'apprendre ces nombres et ces chiffres en lettres et d'écrivez ces nombres en lettres dans les cahiers de maison couverture jaune, d'accord? Dans les cahiers de maison, vous écrivez le nombre en toutes lettres et essayez d'apprendre ces nombres en lettres. D'accord, mes élèves? Alors suivez cette vidéo. Six, sept,
9. Alors, mes élèves, essayez d'écrire ces chiffres en lettres dans les cahiers de maison et d'apprendre ces chiffres, d'accord? Merci pour votre attention, mes chers élèves, et à demain, Inch'Allah.